Sternopé, ça serait un échiquier. Car comme sur les jeux d'échecs, on a besoin de prendre du recul sur la situation, déterminer quelle solution utiliser et quelles conséquences cela va avoir sur nos produits. Tout comme les jeux d'échecs, l'idée c'est de pouvoir mettre en échec et mat les problématiques qu'on rencontre. Une pieuvre pour l'aspect tentaculaire, parce qu'on travaille du coup avec beaucoup de corps de métiers différents, la recherche et développement, la maintenance, la production. Par exemple, pour la recherche et développement, on va faire des tests, des expérimentations pour eux. Pour la partie maintenance, on va travailler conjointement avec eux à améliorer les procédés de nos équipements. Pour la partie production, on va leur aider au jour le jour, du coup, à résoudre les problématiques qu'ils peuvent rencontrer sur les produits. Handball, car c'est un sport d'équipe, évidemment. C'est surtout que handball, pour arriver à marquer, il est nécessaire de dépasser la défense adverse. Et pour ça, il faut un échange de balles rapide entre les joueurs. Ce qui, pour nous, correspond en fait à l'échange d'idées entre les équipes et entre les personnes pour arriver à trouver le meilleur angle d'attaque pour marquer et résoudre nos problématiques. San Francisco et sa Silicon Valley, car Grenoble est une terre de développement, conception et réalisation très importante dans ce domaine-là. La vallée du Grésivaudan, du coup, est un peu la Silicon Valley à la française. Le site de Crawl a la chance, du coup, de faire partie de ce milieu-là et d'en être un des principaux acteurs.